C'est quoi ? C'est quoi ? Bah, c'est quoi ? 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 Un jardin agroécologique, c'est un jardin où on va essayer au maximum de s'allier avec le vivant et de le respecter. Donc le premier objet, c'est le sol. On considère que le sol est un organisme vivant et donc il faut aussi le nourrir et souvent le réhabiliter parce qu'il a été maltraité auparavant. Et puis ensuite, c'est de mettre en place une agriculture qui n'utilise aucun engrais chimique et aucun produit de traitement de synthèse. Donc on travaille uniquement avec des produits naturels et beaucoup aussi avec des plantes compagnes parce qu'on sait qu'il y a des plantes qui cèdent entre elles, d'autres qui sont antagonistes et donc on prend ça en compte. Et puis alors un autre principe en agroécologie, c'est que le sol est toujours couvert. On ne laisse jamais un sol à nu afin de protéger la vie qui existe à la surface du sol. Et de la même manière, on ne va pas retourner le sol parce qu'en surface, on a une vie qui est spécifique, qui fonctionne avec beaucoup d'oxygène. Et en profondeur, on a une vie qui fonctionne avec peu d'oxygène. Et quand on retourne le sol, et ben finalement, on contribue à détruire tout le monde. Et ça met beaucoup plus de temps ensuite pour redynamiser la vie du sol.